Katsupé Katsupine, bonjour! Le thème d'aujourd'hui, les transports en commun. Cas numéro 1, les vieux mal élevés. Madame, vous pouvez venir, je vous laisse ma place. Il n'y a pas de souci. Madame, vous auriez pu dire merci. Enfin, j'étais gentille de vous laisser ma place. Un merci aurait été le bienvenu. Je vous ai rien demandé à vous. C'est vous qui m'avez laissé votre place. Moi, j'ai rien demandé. Cas numéro 2, les gens qui ont un problème d'hygiène. Je vais pas faire de mise en situation, je vais en parler clairement. Ben oui, puisque je ne peux pas inclure de fumée verte dans la vidéo. Frère, est-ce que tu penses qu'à 7h du matin, les gens ont la force de bloquer leur respiration pour toi, frère? Enfin, pour le coup, peut-être, puisque l'odeur que tu émanes réveille tous nos sens. L'odorat, bien sûr, la vue, parce que ton odeur fait pleurer mes yeux, excuse-moi, mais ça pique. Le toucher, parce que si je te touche, ma main devient noire. Et même lui. Vous entendez pas? Quand la fumée s'échappe de son corps, ça fait chhh. Cas numéro 3. Les espèces de vieilles meufs qui pensent que le bus leur appartient là. Oh les filles, on est en place! Badam chata! Pas tester nous! Au chauffeur, dépose-moi chez moi là! Ok, chauffeur privé! Badam, pas tester nous! Bon, venons-en au plus important. Les chauffeurs de bus. Tu es en retard, tu vois que le bus est déjà là. Tu cours, tu cours, tu cours, ta ta ta. Tu arraches tes poumons. Et quand tu arrives, ils ferment les portes, ils partent. Vous avez un problème? Est-ce que c'est une maladie que tu as pour partir devant les gens comme ça alors que ça prend 2 secondes d'ouvrir les portes de ton vieux bus là? Mal mouton. Les chauffeurs qui roulent comme des fous. Tu rentres dans le bus, tu n'es pas encore assise. Le gars démarre sec comme s'il voulait faire des roues arrière avec son bus, frère. Excuse-moi, chauffeur, de te couper dans ton élan, mais mes os ne sont pas en plastique. Si je tombe, ça se casse. Pareil quand le chauffeur freine comme un sauvage. Laisse-moi te dire, si ma tête s'écrase sur le siège avant et que je pète mes dents, c'est toi qui vas payer le dentiste pour moi. Mal mouton. Et puis aux Antilles, les bus qui n'ont pas encore le bouton stop, s'il vous plaît, faites un effort. C'est honteux pour nous de crier « Arrête, s'il vous plaît !» Je me souviens, je sortais du lycée, j'étais tombée sur un bus comme ça. Et puis j'osais pas, j'étais là, arrête s'il vous plaît. Limite, je préférais aller jusqu'au terminal avec lui au lieu de crier, arrête s'il vous plaît. Devant tout le monde comme ça, frère, vous vous rendez pas compte. Je me souviens la première fois que j'ai pris le taxi avec un ami, le taxi collectif. Je vois que mon ami crie, arrête. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, y a pas de bouton. Et aussi aux Antilles ou en France, je sais pas d'ailleurs s'ils font ça en France, mais tous les matins les chauffeurs mettent les avis d'obsèques à fond pour tous les gens qui en avaient marre d'entendre la musique des avis d'obsèques tous les matins. Bisous, je vous aime.